Jeux d'hiver 2018, Krimaltse, le lutteur médaillé qui reçoit des messages hauts. Le sportif américain est très courtisé après sa deuxième place à Pyeongchang. La luge ne fait pas partie des sports d'hiver les plus populaires, les Jeux olympiques sont l'occasion d'offrir à ce type de discipline une exposition inégalée. Le 11 février dernier, un Américain nommé Krimaltse a réalisé l'exploit de décrocher une médaille d'argent lors de l'épreuve individuelle de luge aux Jeux de Pyeongchang. L'athlète de 29 ans est ainsi entré dans l'histoire, puisque jamais un Américain n'était monté sur le podium dans cette épreuve. Jusque-là un inconnu de la majorité du public US, Krimaltse est rapidement devenu la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. Pas seulement parce qu'il repartira médaillé de Corée du Sud, mais aussi parce que son physique digne d'un acteur de sitcom séduit. Le Bobo savait plus compter sur le soutien de fans dévêtus, malgré le froid polaire qui règne sur Pyeongchang lors de sa descente. Interrogé par TMZ, le vice-champion olympique a ainsi révélé qu'il recevait de nombreux messages depuis son podium, certains au contenu très explicite. Le site rappelle au passage que le village olympique est connu pour abriter de nombreux utilisateurs de Tinder et que l'application a également donné un accès Gol et gratuit aux athlètes pour bénéficier de la version améliorée. À cela s'ajoute une distribution record de préservatifs pour ces Jeux 2018. Ce sont pas moins de 110 000 exemplaires qui ont été offerts aux sportifs. Malheureusement pour toutes celles et tous ceux qui seraient tombés sous le charme de Krimaltse, le lutteur n'est pas un cœur à prendre. Le médaillé d'argent a une petite amie au précis TMZ, qui ne révèle pas son identité.